Nicolas, tu dis de venir chez toi de façon urgente là. Ouais, Veska, c'est moi qui t'ai convoqué parce qu'il y a urgence. Oui. Voilà, mais avant de t'expliquer, il y a un proverbe qui dit le poulet qui est en train de courir. Laisse ce proverbe là, faut parler d'urgence. Laisse ce poulet là. On l'a mangé poulet hier. Donc, va à but au droit. Bon, c'est concernant ma nièce. Je sens qu'elle veut me parler au fait. Grâce. Après un moment, elle veut me parler, mais c'est comme si elle est gênée. Ta propre nièce est gênée. Donc, moi-même, ça me gêne, ça m'inquiète au fait. Mais comme elle est collée à toi, là. Faut l'appeler. Hein, comme vous causez bien. Faut l'appeler. Grâce. Tonton. Viens. Tu vois, c'est un peu ça. Après, ça me tracasse au fait. Faut prendre la chaise à venir. Prends la chaise, tu viens. Prends la chaise, là, tu viens t'asseoir ici. Elle commence pas bien. Je sens qu'elle veut me parler. Mais quand je dis à toi, elle hésite. Ouais. Mais comme toi, vous êtes beaucoup proche. D'accord. Avec ta présence, je pense que ça peut aller. Faut t'asseoir. Assieds-toi, moi, je n'aime pas les foutaises. J'aime pas la foutaise. Oui, grâce. C'est quoi tu veux dire à mon ami là? Et puis tu refuses de dire. Faut parler, c'est ton nom qui est là, tu as honte de lui dire. Faut parler. Tu es à ton village, tu veux retourner au village? Quoi? C'est parce qu'il n'est pas transporté, sinon tu devais partir mon village. Comment tu dis? Ah, non, petit collègue, il mange bien ici. Elle mange bien. Mais. Elle dort sous climatiseur. Hein? Hein, tu vas pas me grossir. Moi, je dors sur éventail. Bon, bref. C'est quoi tu veux dire à ton nom? Faut pas avoir honte. Lui là, il est gentil. C'est quoi tu veux lui dire? On te coûte. Faut parler. Tonton, je suis enceinte. Elle dit quoi? Vescaille, t'as quoi? Vescaille, y'a quoi? Vescaille, elle a dit quoi? C'est quel problème? Elle dit quoi? T'assois. Aïe, aïe. Elle a dit quoi? Tu veux de l'eau? Non, ça va. Ça va. Tu m'as fait peur d'elle. Yes. Elle a dit quoi? Elle dit elle est enceinte. Aïe, aïe. Qu'est-ce qui se passe, Vescaille? Y'a rien, ça va. C'est la génie. Ouais. Elle dit elle est enceinte. Aïe. Est-ce que tu peux m'aider à trouver l'auteur? Hein? L'auteur de la grossesse. Comment? Vous avec elle, qui l'enceinte? Qui l'enceinte? Non, j'ai tout compris. Comment? Non, j'ai tout compris. Avant. Grâce. Non. Tu veux qu'elle m'accuse? Comment ça, Vescaille? Mais dis quoi, tu veux qu'elle m'accuse? Tu veux que. Non, tu veux. Non, Vescaille, c'est moi. Non, c'est pas tu que veux, que non. Pas ce que tu crois. Veux qu'elle m'accuse? C'est pas ça, Vescaille. Tu veux qu'elle m'accuse? Comment tu veux qu'elle t'accuse? Mais pourquoi c'est pas moi? Tu m'appelles, tu dis, Vescaille, viens chez moi, je viens chez toi. Et puis ça m'a présenté. Mais c'est toi, vous attendez bien toi et elle. Ça veut dire quoi? Tu m'accuses alors? Comment il t'accuse? C'est pas. Grâce à non, mais c'est quel problème? Mais c'est fini. Non, mais c'est fini. Non, ça va. Tu as vu dans quoi tu me mets maintenant? Tu as vu? Depuis maintenant, tu ne peux pas parler. Vescaille! Non, ça va. Vescaille! Pardon. Laisse ce proverbe là, faut parler d'urgence. Laisse poulet là. On l'a mangé poulet hier. Vescaille, tu as me blessé. Elle dit quoi? Vescaille. Elle dit quoi? Tu as me blessé. Elle dit quoi? Elle dit elle est enceinte. Hein? Qui t'a enceinte? Hein? Je suis enceinte. Elle dit quoi? Vescaille, tu as quoi? Vescaille, y'a quoi? Elle dit. Vescaille, elle a dit quoi? C'est quel problème? Elle dit quoi? T'assois. Aïe, aïe. Elle a dit quoi? Tu veux de l'eau?